Hello les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma nouvelle routine teint. Donc c'est parti, je commence avec mon Pro Conceal en teinte Beautiful Bronze. Je vais travailler la matière au doigt, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à appliquer. De concealer, je vais prendre mon NYX en teinte Nutmeg. Concealer vraiment top. Ensuite, on va passer au teint avec mon fond de teint True Match de chez L'Oréal en teinte Cappuccino N8. Je vais le mêler avec le NYX en teinte Nutmeg Muscade. Comme vous pouvez le voir, le True Match est vraiment fluide. Il commence à couler sur la paume de ma main. Il est vraiment fluide. Donc en fait, en alliant ces deux fonds de teint, je vais vraiment avoir quelque chose d'assez sympa. Donc je vais avoir de la matité avec le NYX, on va dire une sorte de fusion entre ma peau et le fond de teint avec le True Match qui se mêle parfaitement en fait à la carnation, c'est vraiment top. Donc le NYX, on vous dit stay matte but not flat. Soucis, les deux se mêlent vraiment parfaitement bien ensemble. Donc il faut vraiment laisser un petit peu de temps à la peau pour qu'elle puisse se mélanger avec, pour vraiment avoir l'accord parfait entre guillemets. Comme vous pouvez remarquer, le fond de teint est en train déjà de se mêler à ma carnation et l'effet un petit peu pâle commence déjà automatiquement à s'estomper. Vraiment laisser le temps de se fondre avec votre peau, parce que moi aussi au début quand je l'ai appliqué je me suis dit waouh, c'est bizarre. Que j'applique le LA Colors Minéral, donc c'est le blush en teinte Sheer Bliss. Donc je vais ajouter quelques petites touches de lumière par-ci par-là
J'adore ce blush, je le trouve juste trop magnifique. Ensuite, avec ce gros pinceau, je vais estomper donc le tout pour harmoniser un petit peu le make-up, on va dire. Ensuite, on passe au mascara avec le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. Les lèvres, j'applique un rouge à lèvres de la marque Y2SY, donc Eyesight. Ensuite, je vais appliquer mon spray fixateur. Et voilà le résultat des filles. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.